Salut à toutes et à toutes, c'est Boydra. Aujourd'hui, on va commencer le let's play sur Pokémon Écarlate. Et croyez-moi, on va rigoler. Donc là, je vais choisir le perso. Donc la dernière fois que j'avais joué à Pokémon Arceus, je crois que j'avais choisi la fille blonde. Donc là, on va choisir, la fille blonde blanche. Donc on va choisir, maintenant on va choisir, voilà. Pour la diversité, on va choisir lui. Voilà, on va choisir lui. Donc voilà, j'ai choisi lui. Donc on va voir ce qui se passe, hein. On va voir si je change la coupe, qu'est-ce qui se passe. Là, on dirait une fille, là. On va voir ça. Voilà, on va voir ça. Ça c'est bien, ça c'est mleh, ça c'est joli. Donc on va confirmer. Donc on part dessus, ouais, on part sur ça, affirmatif. Donc voilà, on voit notre formulaire d'inscription, Académie Orange. Donc tout ça c'est bien. Donc on voit Académie Orange, école privée, apprendre des traditions pour révéler la grandeur. Donc Monsieur Clavel, attention. Donc la région de Paldea est une terre riche à la nature luxuriante. Ici vivent des créatures extraordinaires que nous appelons les Pokémon. Ces êtres fascinants présentent un grand nombre au peuple des habitats divers et variés. Bon, vous connaissez la suite, hein. Donc on peut les trouver en mer, dans le ciel, ou même dans les zones urbaines. Donc voilà, là on voit que c'est l'école. C'est-à-dire c'est fini là, l'époque d'il y a 15 ans, 25 ans même. Hein, 27 ans même, parce que c'est 95 le premier. Donc là non, là on a une école sérieuse, tu vois, c'est le sérieux. On voit, il y a un écran là, à l'Académie Orange, les cours offerts permettent d'approfondir les connaissances sur les Pokémon. C'est-à-dire, voilà, les statues, les Pokémon, tout ça. Donc là, ils expliquent. Donc voilà, le gros tas de morphes contre le Tauros, donc joli combat là. Ah, attention là, ça fait plaisir. La moitié du budget a été mis dedans. Donc voilà, un Tauros noir et tout ça. Donc on va rencontrer les amis et tout ça. Découvrir notre nous intérieur. Donc là voilà, on voit que tous les élèves, ils arrivent à l'heure. Tu vois, c'est des gens assidus, c'est des gens ponctuels, tout comme moi. Donc là, notre maison, hein. Toujours on a une maison, ça c'est exceptionnel, tu vois. Ils pourraient pas le mettre dans une favela ou un taudis ou la cité, non. Toujours une maison propre, tu vois, dans le pavillon résidentiel et ce genre d'éléments.
Donc là, on se lève. Hein. Alors déjà, on regarde la chambre. Parce que quand tu regardes la chambre, déjà, tu vois, là, c'est la taille d'un studio. Hein, parce que là, si, sans déconner, il se met comme ça, ça doit faire 3 mètres, 3 mètres sur 5. Tu vois, c'est la taille d'un studio, quoi, le truc. C'est exceptionnel. Là, il se met là, tu vois, le lit. Là, t'as encore un lit, ça fait 5 mètres. 16 mètres carrés, exceptionnel. Je vous dis, c'est la taille d'un studio. Hein. Donc là, vraiment, bon bureau, bonne ambiance de travail. On voit un placard. Est-ce qu'on peut l'ouvrir, le placard? Voilà, des autocollants Pokémon. Donc on voit le... Attends, on voit quoi, là? Un cerise, là, un Godrive. Baudrive, et l'autre, je sais pas ce que c'est comme Pokémon. Ah, je sais pas vraiment. Donc là, on voit une carte aussi. Carte de Paldea. Et là, on voit en plus la console. Là, c'est la Switch. Jolie, la Switch. La Nintendo Snitch. Non, ça, c'est la référence à la vidéo que j'avais fait sur le cuckold de Simulator. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que là, on voit qu'on a un tiroir aussi. Donc, jolie, la Switch. D'ailleurs, on voit que c'est toujours là, les livres aussi. Tu vois, il a toujours une console. Mais là, en fait, pour une fois, c'est sur la console sur laquelle tu joues, tu vois. Tu joues sur la Switch. Et il y a la Switch, alors que quand c'était Pokémon version bleue et tout ça, le premier Pokémon, c'était la Nintendo, c'était la Super NES. Mais la Game Boy étant plus récente que la... Enfin, pas plus récente, plus ancienne la Game Boy, que la Super NES, c'était assez drôle, quoi, parce que... Donc là, voilà, on va descendre. Donc là, il y a le Pokémon, là, le Gougou. Donc là, on va, on avance, tout ça. Donc voilà, sauvegarde en cours qui se fait. Donc là, on voit gourmand, tout ça. Oui, c'est bien, je t'ai parlé, là. C'est bon, ça y est. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc là, on voit la daronne qui fait la cuisine. Ça, c'est bien, elle fait la cuisine. C'est la place qu'il faut, comme il faut. Tu vois. Mais coucou, mon cœur. Oh, mais tu portes déjà ton uniforme. C'est vrai que c'est ton premier jour dans ta nouvelle école aujourd'hui. Je suis si contente pour toi. Mais tu vas devoir être patient, l'école vient d'appeler pour te demander d'attendre ici. Apparemment, ils ont envoyé quelque chose de très important à tous les nouveaux élèves. Mais on n'a encore rien reçu. Ah, ça sonne. Donc là, on parle du loup-garoc. Ah oui, voilà, c'est oui. Parce que quand ils parlent, eux, du loup, le loup-garoc, voilà, c'est un peu les jeux de mots, tu vois, à la professeure, je sais plus comment, Akido, tu sais, dans Sun and Moon, chaque fois qu'il faisait un jeu de mots. Veuillez m'excuser, je me suis permis d'entrer. Vous êtes Monsieur Moedra, je suppose, je présume. Je suis sincèrement navré pour l'arrivée si tardive de vos documents d'inscription. Laissez-moi vous présenter. Donc la paperasse, hein, toujours la paperasse, on connaît. Je me nomme Monsieur Clavel, je suis le professeur de l'Académie Orange. Vous êtes le proviseur et vous êtes venu personnellement chercher mon fils. C'est la moindre des choses, surtout avec une mère aussi jolie. Je devais venir, je dois accomplir le rôle du professeur Chen. Le proviseur est le premier responsable des bévues de son académie, après tout. Voici pour vous. Dans l'intérieur, vous trouverez les documents d'inscription ainsi qu'un plan de l'établissement. Vous êtes déplacé que pour ça, il ne fallait pas. Laissez-moi vous offrir quelque chose à boire. Oh, je n'oserais m'imposer, mais si c'est demandé si gentiment. Mon cœur, maman doit parler un instant avec monsieur le proviseur. Monte dans ta chambre. Voilà, voilà, casse-toi dans ta chambre. En plus, c'était en rouge, enfin orange pour dire vas-y et prends ton sac et tout ça. Bon, voilà, ils vont faire leurs affaires ensemble, là. Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il faut monter. Bon, ça sauvegarde assez fréquemment, visiblement. Mais ça me rappelle une musique comme dans Ruby et Zaphir. Je sais pas pourquoi, mais je sais plus, faudrait que je voie la musique. Donc là, on va récupérer le sac, là. Parce qu'on voit juste que ça brille. Donc on va enfiler le sac et le chapeau. Donc sur X, pour ouvrir le menu, on peut sauvegarder dans le sac, tout ça, ABC Aventure. Donc ouais, ça a l'air, ok, c'est un livre. Je sais que, tu sais, dans Rouge Feu et tout ça, ils avaient la télé. Donc là, ben, ça va être un peu le pendant. Donc bon, je vais essayer de voir, hein. Je vais suivre le tutoriel, comme un petit Raggoon, tu vois, qui a jamais joué à Pokémon. Donc qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ABC Aventure, un mystérieux carnet très utile dans lequel sont notés les conseils du dresseur. Donc là, on va voir utiliser. Voilà.
C'est-à-dire, voilà. Donc là, on peut pas courir pour l'instant, visiblement. Pourquoi je suis pas prêt? Ah, voilà, oui, il faut aller le voir, lui, là. Oh, mon cœur, te voilà aussi prêt. Cet uniforme fait la fierté de notre établissement. Et je dois dire qu'il vous le sied admirablement. Oh, mais ouais, bah, j'ai la tête. J'étais à deux doigts d'oublier de me confier le plus important. J'étais en train de draguer ta mère, c'est pour ça. Nous serons mieux à l'extérieur pour cela, suivez-moi. Tu ne veux pas savoir ce que le proviseur veut te donner? Moi si, allons vite dehors. Donc on va aller dehors. Donc déjà il a l'air d'un scout là avec la tenue. Allons vous trois, montrez-vous. Donc là, il va nous montrer trois Pokémon. En plus, on voit que ces poches là, il y a des Pokéballs Honor, des balls Honor qui pendouillent. Donc voilà, les trois. Donc on a un chat, un croco et un canard. Voilà. Pousse à chat. Donc ils viennent là vers moi. Donc ok, faut aller dans la maison là-bas. Sur ces belles paroles, on dirait que c'est moi qui parle. Ça c'est ma phrase de fin généralement. Il est très poli. Si t'as un petit frère dans le jeu ensuite, enfin un demi-frère sûrement, tu sauras pourquoi, hein. Ok, donc faut les, voilà, faut les trimballer avec nous. Qu'est-ce qu'elle a acheté là, Daronne? Un cadeau utile, j'espère. Le Moti Smart. Bon, voilà la notice. Alors, bouton Y si on a perdu le chemin, une carte, voilà ce qui sera utile. Ok. Il est lent comme ça. Donc là on peut pas courir là, c'est un peu frustrant. Donc on voit qu'il y a un arbre, ok. Moi je vais me rendre à la maison en face hein, parce que sinon on va pas pouvoir avancer trop. Voilà. Alors attends, lui, alors ils aiment bien aller là, visiblement un peu gambader. Donc on va voir, on peut lui parler là. Donc bon, ça sert à rien visiblement. Il est où le chat là? Eh, le chat! Le chat on le voit plus, il s'est barré. Ah, ils sont chacun dans leur coin. Ah voilà, maintenant on peut courir. En fait, il fallait atteindre ce point pour pouvoir courir. Donc le chat est là. Et le chat, il en a rien à foutre. Un peu comme moi, des fois. Je l'aime bien, le chat, là. Voilà. Donc, voilà, on va voir, on peut parler à elle. Qu'est-ce qu'elle dit? Pushalaga est une bourgade sans prétention. Donc là, on est à Pushalaga, visiblement. La technologie, c'est un truc de dingue. Ok, vas-y, trois personnes, ben ça c'est bien. Donc là, on va voir, on court un peu. Là, non. Là, visiblement, il va nous dire non. Ah, ça veut dire cassez-vous. Il n'y a rien à voir. Allez. Donc là, on court un peu.
Donc là, ok, vas-y, cours, cours, cours un peu. Donc là, ouais. En fait, on fait le tour de notre maison, quoi, tout simplement. Donc une fois qu'on est là, voilà, on voit ça, on voit les choses. Voilà, petite bourgade sans prétention, c'est ce qu'elle a dit. Enfin, ce qu'elle a dit, je suppose, parce que, voilà. Alors là, vas-y, la maison. En plus, avec la carte, là, on voit que... Voilà, on peut... Voilà, le motif smart. Voilà. Donc voilà, on voit, jolie maison. Hein. Tiens, ils sont passés où là? Ils gambadent un peu partout là. En plus, ça y est, il se fait un peu la coiffure. Là, t'as le chat là. Celle du début qui a le Tauros là. T'es un dresseur, ils sont à toi ces Pokémon. Alors qui je vais choisir? En fait, j'ai envie de choisir le chat. Mais le truc de feu, bon, le canard, j'ai pas trop envie de choisir le canard. Ah je sais pas putain, qui je choisis là. Voilà. Je sais pas, on lui dit oui ou non. On va dire non pour voir qu'est-ce qu'elle dit. Oh, tu dis ça parce que t'es timide? Ou c'est moi qui parle trop fort? Ah, on te repropose pas, oui. Donc elle dit, en fait, c'est la déléguée. Donc voilà, la déléguée, tout ça. C'est une dresseuse émérite du rang maître. C'est-à-dire que c'est sérieux, quoi. Oui, j'adore les combats Pokémon. J'ai vraiment hâte qu'on s'en fasse. Hein. Voilà, même classe. Ah ouais, tu m'expliques, c'est-à-dire que nous, on est censé être un glandu... qui connaît rien, elle s'est rend maître, mais on est dans la même classe que elle. C'est quoi la logique de cette école, sérieux? Bon alors je choisis qui là? Moi qu'est-ce que je veux? Je veux choisir... J'ai une hésitation quand même, j'ai hésitation. Parce que tu choisis, c'est pour... je vais dire que t'es presque marié avec le Pokémon. Non, allez je... Qui je choisis? Bah, je vais choisir le chat, je vais choisir le chat, allez. Allez, choisis le chat. Poussa. C'est Poussa chat. Il est de type plante. Grâce au pouvoir des végétaux, il peut absorber n'importe quelle quantité d'eau. Ah bah, on va choisir Poussa chat, allez. On va poser le Pokémon qui est à la plante, tout ça, ça va être bien. Donc, voilà, un surnom, je veux pas donner de surnom. Je veux pas te... Voilà, tu vas t'appeler Poussa chat, tu vas... On va garder le nom comme ça, ça va être bien. Moi, je n'ai pas ce délire de donner des noms. Je sais, il y en a, ils ont ce délire. Ils l'auront appelé chat ou verdâtre ou le nom de le pays ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, un pays qui est vert, je sais pas quel drapeau. Un pays qui a, je veux dire, Bangladesh, mais du vert comme ça, je crois pas, je sais pas. Donc, il m'adore, voilà, parce qu'on est la puissance et tout ça. Donc, on doit le mettre dans un objet qu'on appelle Pokéball. C'est indispensable. Moedra, alors comme ça tu as choisi Poussacha. Tu as fait le bon choix. Je trouve que vous allez super bien ensemble. Monsieur Calavel, je peux en choisir un moi aussi? Voyons, mademoiselle Menzi, vous avez pété un câble, vous avez un Pokémon, rang maître et tout ça, pourquoi tu veux un? Eh bien, j'avais déjà un autre Pokémon dont je voulais m'occuper à l'époque, donc j'en ai jamais reçu.
C'est pourquoi je voudrais repartir de zéro et entraîner un nouveau partenaire en même temps que Moedra. Votre dévotion est tout à votre honneur. Je serais ravi que vous partiez d'un pied d'égalité avec Moedra. Youpi! Eh bien, on va choisir... Ah, elle va choisir le Pokémon haut, donc voilà, on va voir... Bon, ça va être un peu notre rival, mais bon, elle va avoir des Pokémon... Voilà, c'est-à-dire que ça va être un peu... on pourra la battre facilement, quelque part, c'est ça que ça veut dire. Maintenant qu'on a nos partenaires, il faut absolument qu'on se fasse un combat. Je t'attends sur la plage. Rejoins-moi là-bas quand tu es prêt. Bon, ben, on va la rejoindre. Mademoiselle Menzi possède une passion débordante pour les combats Pokémon. Acceptez donc son défi, c'est un très bon moyen de renforcer vos liens avec votre Pokémon. Bon, on n'a pas le choix, de toute manière, on n'a pas le choix. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Voir. Voir, c'est la... Ah oui, c'est la carte, c'est vrai que c'est la carte là. Ils ont ce délire avec la carte là. Alors, une fois que tu t'appuies sur B, en fait, tu peux te baisser. Ah, tu fais ça. Et là, tu... Ouais. Ok. Donc, si je regarde un peu autour, qu'est-ce qu'il y a? Donc, ça, on voit... Est-ce qu'il y a des objets, tiens? Si on rentre dans la maison, il va nous dire quoi? Il va nous dire... on peut rentrer comme ça, ok. Bon, vas-y, on va parler un peu. Qu'est-ce que lui sait? Ah, je crois que c'était l'école. Non, je me suis dit c'est trop petit pour être l'école, quelque part. Donc là, on voit hein, le Vénard et tout ça. Ok. T'as fini de faire le ménage. Donc là, en fait, ils en battent les couilles de nous, là. Ils nous ignorent. Donc voilà, donc on va aller à la plage. Et quand on va à la plage, on va voir ce qui se passe. On va voir déjà ce qu'il y a là. Donc on est là. On est ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des... Là, il y a pierre. Tout ça, une pierre. Alors on voit un objet là-bas. C'est dommage, on peut pas courir plus vite. Ok. Ok, bon, on se barre. Donc là, on voit que c'est ici l'arène là-bas. Enfin, l'arène. L'air de combat, on va dire. Donc voilà, elle nous dit de venir. Ok, on est dresseur. Et un dresseur, ça fait combattre ses Pokémon. Ça, on connaît. On est prêt. Donc, on va dire non. Allez, t'assures pas là, j'en peux plus d'attendre. Donc bon, on va pas la faire attendre, tout ça. Donc voilà, on va faire le combat. Bon, quel Pokémon vais-je choisir? Il va dire quoi lui? Ah ouais, elle allait envoyer le Tauros, tu vois. Sur... Non mais, comme j'ai dit... Ah, ouais. Non, comme je voulais dire... C'est... Ça aurait été drôle, ça. Ça aurait été drôle. Tu sais, elle aurait envoyé le Tauros niveau 50 et nous, on se serait fait massacrer. Ça aurait pu être drôle. Donc, on va se battre avec elle. Mais tu vois, c'est ça. Elle dit, c'est notre premier combat. Et on est dans la même classe que elle. C'est quoi la logique de cette école, en fait? J'essaye de comprendre. Je n'y arrive pas. Bon, rugissement, je pense que ça va servir à rien, puisque c'est de l'attaque spéciale. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas regardé encore les stats du Pokémon. Ah, attends, c'est physique du coup? Parce que je l'ai pris la moitié, là, je lui prends même pas là, je lui prends un tiers. Donc ça veut dire que ça a dû être... c'est du physique quoi, ça attaque ça. Ah,
Donc niveau 6, ok. On a battu Menzi, la dresseuse, tout ça. Oh, tu te débrouilles bien. Donc on obtient 300 Poké-Dollars, là, c'est bien ça. Enfin, c'est bien, ouais, c'est bon. Un autre combat. Bon, ça va, c'est pas... ça va. Donc en fait, ça va être un peu notre marraine du jeu, quoi, en fait, si j'ai compris, notre tutrice, quoi. Donc voilà. Donc ouais, on va installer les choses, tout ça, il va nous installer. Donc voilà, bon, il dit c'est les trucs de vieux, tout ça. Ah, voilà. Donc elle va nous accompagner comme... voilà. Ok, donc premier combat, voilà. Donc leçon Pokémon. Bon, après la carte elle est en bas à droite, donc on arrive assez bien à voir les choses. Donc voilà, on est là. Donc ouais, je pense qu'elle est là, voilà. Ah non, là elle est quoi, il y a le... On voit qu'elle est avec quelqu'un, on... Ah, elle est avec notre daronne, là, qu'est-ce qu'elle fait là, maman? Oh mon cœur, alors, Menzi t'accompagne à l'école? Oui madame, mon Hydra entre de très bonnes mains, vous pouvez compter sur moi. Je suis contente que tu te sois déjà fait une bonne amie. J'ai lu le prospectus de l'école tout à l'heure et apparemment les enseignants y sont tous plus remarquables les uns que les autres. En plus tu vas pouvoir profiter de tous les équipements à loisir, c'est merveilleux. Et avec Menzi à tes côtés, ta rentrée ne peut que se bien se passer. Foi de maman. Bon, je retourne faire le ménage. Allez. Voilà, ça c'est... Donc le sandwich. Objet rare. Donc 5 potions et des Pokéballs, et donne. Ah, t'es ému. Et si tu veux, c'est comme ça. On va rentrer à la maison, le ménage il est fait, tout il est propre, c'est impeccable. C'est-à-dire la maison devient l'hôtel quelque part. Elle est gentille ta mère, je l'adore. Mais au fait, je devais te montrer comment capturer des Pokémon. Par ici. Ah, dans la zone où on devait aller là. Donc route de Kushalaga. Donc là on voit une espèce de... Je vais dire de sanglier, de cochon. Regarde, c'est la route de Kushalaga. C'est sur cette route que commence notre aventure. Quand on quitte la ville pour s'aventurer sur les chemins ou dans les hautes herbes, on peut trouver des Pokémon sauvages un peu partout.
Ok. Ok, donc faut se battre contre lui. Ah ok, alors pour l'attraper, bouton X. Donc voilà, c'est quoi, c'est un... Bon, on va le mettre KO. Lui, j'ai pas envie de l'attraper, lui. Ok. Ah merde, c'est vrai que je devais l'attraper. Oh ouais, non, même pas, parce qu'elle devait me montrer, voilà, ok. Ah, ça c'est bien ça qu'elle donne plus. Elle en donne 10 de plus. Ah mais voilà, 10, j'ai dit le bon chiffre. Ah, c'est un bon conseil ça. Ok. Ah, ça marche, c'est bien, allez. On se retrouve au phare, il y a une super vue de notre école depuis là-haut. Ok. Donc là on voit qu'il y a un objet, ok. Bon, je vais sauvegarder. Donc là, attends. Ah, je fais comme ça, ok. On peut aller vers le Pokémon et il y a un combat qui se fait du coup. Ah, ils se battent comme ça, ok. Ah, ok, ouais, c'est comme dans Arceus, quoi. Tu peux suivre le Pokémon, tu le retires comme ça. Tu peux le laisser qui affronte des gens, donc... Ok, donc là, on va voir. Ici, je prends ça. Donc là, ils se battent contre eux. Quoi, il peut plus se battre? Là, c'est quoi cette histoire? Ah, 11, ok, attends. Parce que c'est vrai que j'ai pas regardé quel type est qu'en fait. Bon, il doit avoir engrais. Ouais, il a quoi? C'est quoi sa son talent là? C'est pas talent, talent c'est engrais, mais sa nature. Gentil. Ouais, c'est-à-dire il défense P, ok. Putain, ça aurait été bien qu'il ait un truc en attaque. Parce qu'il a l'air d'être plutôt axé attaque à ce que je vois. Donc A. Donc A, gestion des capacités. Ah mais ça me dit quelque chose cette musique, attends, je vais essayer de me rappeler. Donc là, ok, ouais, bon, ok, je me barre. Qu'est-ce que j'attrape? Lui, j'ai dit le Hellouf, je voulais pas l'attraper. Lui, c'est quoi, ça, c'est... Lui, ça a l'air d'être un type insecte. Ah, putain, je sens que je vais prendre peut-être cher avec lui, là. Sécrétion, ça baisse la vitesse. Bon allez, ouais, il charge. Bon, il tape pas fort, ça va, il tape pas fort. Je pense que là, je peux le mettre KO. Voilà. Ah, niveau 7, ça va. Ah, morsure. Ah, ça commence à... Bon. C'est vrai que morsure, bon, ça va. Après, là, il y a des... Il y a des cotovols là. Ils ont l'air d'un peu de mettre la violence hein, là. Des granivoles, c'est des granivoles, putain. Bon là quand même il y a des choses. On voit qu'il y a des choses à récupérer.
Donc là, hop. Donc on va monter sur le rocher là. Ah non, je peux pas monter sur cette merde, c'est quoi ça? Ou attends, faut peut-être s'accroupir, je sais pas. Voilà. Ah, un rappel, ben déjà c'est bien, ça va quand même. Bon voilà, hein. Ah, il y a un truc caché là, derrière l'arbre, j'ai vu. Ah tiens, c'est quoi ça? Les pidonies. Donc là, qu'est-ce qu'on a là? On a... Ah tiens, attends. Est-ce que tu peux bouger l'arbre ou un truc comme ça? On dirait qu'il est quoi? Et... Attends. Ah. Parce que là, en fait, il est à l'arbre là. Je sais pas si tu peux lui. Tu peux pas rentrer dans l'arbre quoi. Parce que je sais que dans, tu vois, dans Arceus, tu pouvais jeter ta Pokéball. Ah, je sais pas, attends, comment on peut faire là? Ah, j'ai pas l'impression qu'on puisse là. Donc là, on voit que c'est toujours lui là. Toujours là. Ok, ça, on connaît déjà un peu. Tiens, là, lui, on va aller l'affronter là. Qui descend là, non, il reste toujours en l'air là. Antidote. Tiens, à un moment donné j'ai sauté, j'ai l'impression. Attends, là il est là, attends, on va le voir. Voilà. Donc morsure. C'est quoi, 60 toujours? Ok, 60, ouais. Ah, la trouille, ça c'est bien. Donc là, morsure. Donc là, voilà. Feuille de granivole, là où on récupère des objets, tout ça, le Pokédex a été mis à jour. Donc là, ici. Donc faudrait que je commence à le soigner un peu là, je pense. Parce que là, je suis à combien là? Bon, ça va, j'ai 10 potions. Je peux lui en mettre une là, tu vois, pour qu'il tombe pas KO. Ah oui, le phare, c'est vrai que j'ai oublié qu'il fallait qu'on aille au phare, tu vois. Mais bon, c'est vrai que ça donne envie de visiter quand même ce qu'il y a là. Ah tiens, ça c'est quoi, c'est un... Ah, c'est le Pokémon du début là qu'avait le prof, celui-là. Bon allez, tu sais quoi, bon, allez, je vais l'attraper lui, allez. Ça me fait penser un peu au Teddy Oursa celui-là. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec lui. Ah, il est quoi? Il est type électrique? Il me paralyse pas, j'espère. Putain de merde. Bon allez, je vais l'attraper là. Ah,
On saura déjà si c'est type électrique, ça peut être bien. Voilà. Est-ce que du coup, t'as, ouais, tu dois avoir des points d'expérience quand tu l'attrapes, je suppose. Pomme. Voilà, donc pomme. Là, ils vont me dire, voilà, pomme, Pokémon souris. Moi je crois que c'était un Pokémon de type normal, tiens. Ah, je veux pas donner de surnom, non, ça je m'en fous. Ok, alors... ouais, déjà je veux voir les stats qu'il a. Je sais pas, bref. Ouais, je suis un peu déçu, j'aurais préféré que ça soit un type normal, des fois, mais bon. Ah là, tu vois qu'il y en a un qui est plus gros, là. Il est plus gros, quand même. Donc, attends, parce que Y... Tu vois, ouais, c'était physique, j'avais... Ouais, c'est ça, ouais. Putain, je suis paralysé. Oh, mais c'est du délire là. Ah, qu'est-ce que vous me faites là? Donc ok. Ah, ça je l'avais pas vu là. Donc là, ok. Donc là toujours faut, bon, je vais aller au phare, tiens, parce que sinon on va, ça va être un peu galérant, quoi. Ah voilà, je suis là, donc là on voit le phare. Ouais, j'en ai attrapé un. Ah, une voix mystérieuse, ça c'est bien ça. Qu'est-ce que c'était? Mais quand même. Ok. Bon, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'épisode ici. Tiens, ça fait un bon cliffhanger. Donc, hein, on a eu le premier Pokémon, on a vu les combats, on a vu un peu commencer. Mais pour l'instant, j'ai pas trop fait de combat avec des personnes, quoi. Là, on n'a pas trop d'affrontements et tout ça. Donc là, ce sera sûrement au prochain épisode. Hein. Je vais essayer de faire en sorte que les épisodes, ils fassent, ouais, peut-être 45 minutes, 1h30 au max. Je trouve que ça peut être intéressant. Parce que quand même, l'histoire, pour pas forcément que j'ai une cinquantaine d'épisodes, quoi. Mais qu'il y en ait peut-être une vingtaine au final, quoi. Parce que je sais pas combien de temps le jeu il va durer. Est-ce qu'ils ont mis beaucoup de contenu? Ça, je vais le découvrir avec vous. Donc voilà, fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, pensez à partager, à commenter et à vous abonner. Bien sûr, ça aide à faire grandir la chaîne. Ça vous demande pas beaucoup de temps. Et ça me motive toujours plus. C'était Moedra, je vous dis salut. Et à plus pour un prochain épisode de Pokémon Écarlate.